raison. Demain se prépare aujourd'hui aussi. Nous avons les capacités, nous avons les moyens. Il n'est pas correct de dire que le gouvernement n'a pas été sensible. Le gouvernement a convoqué l'ambassadeur brazzavillois, notre ambassadeur a protesté, le gouvernement a envoyé une mission, et donc ce sont là des signes que le gouvernement, s'il échoue, fera la réaction qu'il faudra, non pas par rapport à l'opinion publique, mais par rapport aux intérêts bien compris de l'État. Je vous rappelle un autre diplomate, Ngouz, dans des pareilles circonstances à Addis Abeba, il avait dit ceci, que lorsqu'un lion vous montre les dents, il est plus prudent de croire qu'il ne rit pas. Et donc, je considère que ces trois éléments-là, ce sont les dents que nous avons montrées. Les gens sont protégés ici? Non. Monsieur Blattner, vous le connaissez. Il a eu un problème avec un citoyen congolais. Eh bien, monsieur Blattner, tout puissant qu'il est, il a passé quelques jours au cachot, et puis je crois qu'il a fui, etc. Donc, il n'y a pas. C'est un état de droit où, évidemment, tout n'est pas parfait, mais tout n'est pas mauvais non plus. Alors, les questions, je crois, j'ai recensé à peu près 5 questions. Pourquoi la RDC est un État faible? Je ne pense pas que l'État... Non, je ne pense pas que la RDC est un État faible, parce qu'il y a au moins 4 éléments de la force d'un État. Un, c'est l'opinion publique. C'est l'opinion publique qui, dans une démocratie, est le premier bouclier. Et ceux qui répandent l'idée qu'il n'y a pas d'unité, de cohésion autour de nos intérêts fondamentaux, c'est eux qui sont en train de trouer notre premier bouclier. Deuxièmement, c'est la capacité de défense et d'assurer l'ordre public. Eh bien, avec l'évolution de la situation à l'Est, je crois que vous avez compris la réponse. La force économique, quelqu'un a dit ici que Brazzaville dépend de nous. Donc, nous ne sommes pas faibles. La volonté politique, la démarche de l'État, comme je vous l'ai dit, nous avons montré les dents, eh bien, on verra s'il faudra mordre ou pas. Deuxièmement, pourquoi les Congolais vont-ils à l'étranger? Ce sont des philosophes. Je vous rappelle une communication, une proposition, une citation plus exactement, de Karl Jaspers, qui est un Allemand, un existentialiste allemand. La communication est une situation limite, c'est-à-dire que le contact avec l'environnement est une nécessité presque physiologique. Et donc, les Congolais partiront toujours à l'étranger et les étrangers viendront toujours ici. On n'entre pas dans les détails. La révision constitutionnelle... Vous posez des questions, ils ont posé des questions, il faut répondre. La révision constitutionnelle, quel est l'objectif? D'une façon générale, la révision constitutionnelle lorsqu'il y a une inadéquation entre certaines dispositions et l'objectif d'harmonie de fonctionnement de l'État. Par exemple, l'histoire de la décentralisation, disons, hein, la décentralisation retenue à la source, etc. Bon, on est obligé vraiment d'aller au plus vite. Et j'entends souvent les gens dire, le président a proclamé qu'il n'y aura pas de révision, etc. Et quelque temps, il y a eu de révision. Le président n'a pas le droit d'empêcher quelqu'un de faire ce que la Constitution lui permet. Quand le président dit « je ne ferai pas la révision », c'est de sa propre initiative. Tant que lui, il est initiateur. Or, quand vous lisez l'article 218 de la Constitution, les initiateurs de la révision constitutionnelle sont, outre le président, le gouvernement, le Parlement et chaque citoyen. Le président a beau dire que pour moi, il n'y aura pas de révision. Si moi, je réunis 100 000 signatures, eh bien, il y aura révision. Donc, ce sont de faire des procès d'intention. Le rôle des accords économiques. Allez, je me limite au cas de la CPG. Les accords économiques cimentent souvent la sécurité. Bon, ça, c'est à part merci beaucoup, d'autres. Ambassadeur. Situation de Brazzaville, on encense le gouvernement. Non. On ne conserve pas l'État. On ne peut pas encenser le gouvernement ici. D'accord. Nous sommes des gens responsables. Et nous sommes devant notre conscience. Nous essayons de vous éclairer sur les tenants et les aboutissants. Merci beaucoup, ambassadeur. Nous quittons la philosophie pour entrer dans le domaine du droit. Maître Bouanga, nous clôturons avec vous.
Bien, pour le volet qui m'est échu, j'aimerais éclairer un tout petit peu nos étudiants, apprenants, doctorants, sur une question fondamentale. La vocation première d'une constitution, c'est l'organisation du pouvoir et la protection des droits fondamentaux. Ok ? Bien. Je voudrais simplement vous donner une arme utile qui vous aiderait à tenir en langage contre les tenants de la révision constitutionnelle que nous estimons, nous, au CDER, dans l'opposition, inopportune. Pourquoi ? Parce que le but d'une constitution, c'est de garantir une stabilité des institutions. Après 10 ans d'existence, j'ai bien peur que la nécessité ne se justifie nullement à faire du sur-mesure avec l'arsenal juridique pour un but inavoué. Ceux qui sont tenants de cette manière de voir n'ont qu'à l'assumer d'une manière ou d'une autre. Mais en un mot, saisissez le besoin, c'est lequel ? C'est de défendre l'intangibilité de certaines matières au sein des articles, c'est-à-dire dans les articles qui organisent le texte suprême de l'ordre juridique de l'État, et spécialement le 220 et le 70e article, qui en leur alinéa premier s'entrechoquent pour ne pas donner la voix à la teinte à cette intangibilité qui n'a pour but que l'irrévisabilité. Vous comprenez ? L'irrévisabilité est garantie parce que si aujourd'hui l'on veut modifier l'article 1er ou l'article 220, on est en but soi-même par rapport au mandat organisé par l'article 70 en son alinéa 1er. Vous m'avez compris ? C'est un des moyens forts pour contrer n'importe quel co-débatteur lorsque vous serez en face de ce besoin de révision constitutionnelle tellement aimé par certains que son besoin se prouve par le rejet total de la population. Et j'aimerais que vous sachiez aussi une chose. Un relais générationnel pour votre cas s'assume. À vous de saisir cet instrument, il peut vous être utile. Merci beaucoup, Maître Bouanga. Complètement terminé, mais comme il y a eu une autre suite des questions qui concernent le conseiller Kambila, vous avez 1 minute 30 secondes exactement pour essayer de répondre à toutes ces questions et puis on clôture avec Adolphe. Bon, je prendrai 10 secondes pour dire... Félicitations aux organisateurs de l'émission hein, pour cette amélioration. Je pense que c'est une bonne chose. Je prendrai 5 autres secondes pour dire que, pour revenir aux fausses informations, je crois que ça, il faut faire très attention avec ça. Aucun officiel congolais n'est interdit de séjour ou d'atterrir en Belgique. Et pour ce qui concerne le chef de l'État, je rappelle tout simplement que pour aller au sommet Union européenne-Afrique, dont je pense... C'est une question qu'on lui a posée. Non, je m'excuse beaucoup. Non. Jean-Pierre, Joseph... Il a posé des questions. Joseph... Il répond, Joseph vous Kapika, me donnez aussi la parole. Joseph Kapika, s'il vous plaît. Ne soyez s'il vous plaît. Pas Joseph, bon envers lui. Joseph... Joseph... Laissez passer des occasions. Merci, Joseph Kapika. Alors, les téléspectateurs auront constaté que lorsqu'on attaque, on interdit qu'on réponde. Quel est ce genre de démocratie ? Merci. Rapidement, alors, j'arrête de répondre. J'arrête de répondre tout simplement parce que c'est tellement... C'est d'un niveau à ne pas suivre. Bon. Vous attaquez quelqu'un, vous l'empêchez qu'il réponde. Okay. Quelle est cette démocratie-là ? S'il vous plaît. Enfin bref, je ne répondrai pas. Je vais répondre à nos amis. En tout cas, merci à M. José Kalonda pour ces informations. Il nous a donné des informations en tout cas intéressantes, avec un esprit critique que je reconnais. Malheureusement, il n'a pas posé de questions, mais en tout cas, j'aimerais quand même dire que j'ai entendu ce que vous avez dit et il y a eu des choses très profondes qui méritent, en tout cas, un examen beaucoup plus approfondi. À mon jeune frère, ou peut-être même mon fils, Lucien Ramazani, je dirais que ne vous découragez pas. Ne dites pas arrêtez de nous former. Le Congo est un pays en difficulté depuis de très nombreuses années. Difficulté même que je pourrais dire structurelle. N'importe quel chef d'État aujourd'hui, n'importe quel premier ministre, n'importe quel homme politique, face à la situation du Congo aujourd'hui, aura d'énormes difficultés. L'essentiel, c'est de prendre le taureau par les cornes et de vouloir résoudre les problèmes. Or, nous sommes justement dans cette action-là. Vous êtes jeune,
Oubliez, ne dites plus, s'il vous plaît, arrêtez de nous former. Nous devons vous former parce que c'est vous qui représentez l'espoir. Et l'espoir dans ce pays, vous l'avez. Lorsque vous voyez un pays où l'on construisait plus de routes, nous sommes en train de construire des routes. Un pays où on faisait plus des hôpitaux, nous sommes en train de le faire. Un pays où on faisait plus des écoles, nous sommes en train de faire des écoles. Un pays où on n'aidait plus l'agriculture, nous sommes en train d'aider l'agriculture. Rapidement. Ça veut dire que ne vous découragez pas, formez-vous, continuez à vous former. Les relations diplomatiques douteuses à l'égard de la République d'en face, ça c'est l'étudiant Mushangarusha. Mushangalusa. Merci pour cette question-là. Bon, l'expression n'est pas de moi, mais le sens est le même. Hein. Je n'ai pas dit exactement relation douteuse. J'ai dit, je doute du bon état de leur relation avec le Congo-Brazzaville. Parce que si vraiment ces gens-là pensaient que nous sommes dans les bonnes relations, ils allaient au moins nous prévenir et organiser ce retour, parce que ce retour est de leur droit. C'est un État souverain. Ils auront au moins dû faire ça. Voilà pourquoi je dis que je doute de la qualité de nos relations. Ces relations, il faut les améliorer. Et nous attendons que le pouvoir d'en face fasse un effort et réfléchisse. Voilà, parce que nous ne sommes pas dépourvus de moyens de retour. Dernière question. Monsieur Tati, doctorant, bon, pourquoi l'État congolais est considéré comme un État faible? Il faudrait toute une tête de doctorant hein, pour répondre à ça. Enfin, mais... en résumé, on qualifie des États faibles, des États qui ne contrôlent pas parfaitement leur territoire, qui ne répondent pas parfaitement aux attentes des populations, ce qui est normal. C'est vrai, nous avons pendant longtemps eu beaucoup de mal à contrôler notre État. Qui peut le nier? Mais qui peut douter aujourd'hui qu'après toutes ces difficultés-là, le Congo aujourd'hui contrôle, disons, le 98% de sa surface, que l'État congolais est aujourd'hui présent. Merci, conseiller. Dans des situations, dans les territoires qui étaient occupés par DAF, DNAGU, nous sommes présents, où il y avait l'M23, nous sommes présents. Merci. L'État congolais est en train de... Vous chutez, conseiller. D'être partout et de contrôler son État. Donc nous sommes en train de sortir de cet État. Mais si vous permettez, il y a quand même quelque chose d'important. S'il vous plaît, on n'a plus assez de temps. Lorsque... L'opposition n'a plus rien à dire. Elle veut créer une situation. Il ne faut pas relancer les débats, s'il vous plaît. Non, je ne relance pas les débats. Je réponds aux questions. On a posé la question de la Constitution. Merci. Pourquoi je ne veux pas répondre à ça? Merci. Les jeunes gens ont parlé de la Constitution. Il y a même monsieur... L'ambassadeur a répondu à cette question concernant la révision. D'accord. Merci. Jean-Pierre Kambila, un grand merci. À vous, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. J'espère que vous avez remarqué de manière générale comme... Un seul homme, nous disons non aux méthodes utilisées pour expulser les Congolais. Et nous demandons également aux autorités de tout mettre en œuvre pour sécuriser les populations congolaises, partout où elles se trouvent. Le Congo-Brazzaville a besoin de nous. Nous partageons un même espace culturel, même linguistique pour aller plus loin. Donc, il ne faut pas considérer la RDC comme un pays faible, après tout ce que nous avons traversé, tout ce que nous avons connu comme crise, mais il faut plus qu'on travaille main dans la main pour améliorer nos relations diplomatiques, quels que soient les motifs, quelle que soit la situation irrégulière dans laquelle se retrouvent les Congolais. De Kinshasa, c'est mieux toujours de passer par la voie diplomatique et organiser cela avec les autorités, puisque nous avons un partenariat et nous avons à gagner les deux capitales le plus proche du monde si nous travaillons main dans la main. Voilà, mesdames et messieurs, ça c'est concernant le premier sujet. Quant au deuxième tentative de révision constitutionnelle, ce n'est pas à l'ordre du jour à entendre les PPRD, mais du moins la majorité présidentielle a exprimé sa volonté de procéder par voie référendaire à la révision. Donc ce n'est pas un secret. Alors l'opinion cherche à comprendre, réviser, c'est constitutionnel. Mais quelles sont les matières visées par toutes ou par toutes ces personnalités politiques qui proposent la révision de notre loi fondamentale? Donc c'est un débat que nous allons organiser une fois de plus avec l'accord de la réalisation. Merci à nos différents invités. En tout cas, on n'a pas eu assez de temps. Il y avait des matières importantes. Kalonda José, commerçant, nous aurons l'état d'approfondir avec vous. Je pense que votre place est plus à droite qu'à gauche. Kalonda José, commerçant, merci. Merci à Ramazani. Bref,
aux étudiants de l'UCC Ramazani, Moucha Galoussa, Tati, Bouiza et Koubi. Un grand merci. Merci à vous, professeur Mathieu Kalele, pour votre contribution. Merci à Jean-Pierre Kambila, Jérôme Bonceau, Norbert Yamayamba, Joseph Kapika. Merci à l'ambassadeur André Atounou. Ambassadeur, je vous dis merci. Enfin, merci à vous, Maître Bouanga. Merci à la grande équipe de la Radio-Télévision Catholique Elikia, ingénieur Freddy Mbongo, Roger Chita, Jean-Baptiste Mandiangou, réalisateur réel Jerry Bindele, voilà, Gelong Ngangi, Juno Lumbongo, sans oublier Bernard Boteba. La rediffusion de cette émission, c'est déjà demain dans la matinée. En attendant, nous avons besoin également de... Bon, même pas sponsoring, je crois. Nous avons besoin de vous. Vous avez un produit qui peut aider à... qui peut aider à matérialiser ou aider à organiser des grandes émissions comme celle-ci, puisque ça demande beaucoup d'argent. N'hésitez pas, venez ici à la télévision catholique. Nous sommes là pour travailler avec vous. Ce genre de débat aide à contribuer à l'avancement de la démocratie dans notre pays. Fin de cette grande émission. Merci d'avoir suivi. Denis Diboko, Mabobet Meto. Merci et à la prochaine. Oh,